Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui, je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. Je sais, ça a été assez long parce qu'à la boutique, il y a eu Noël, il y a eu la période des soldes. Donc moi, je travaille toute seule. Donc voilà, ça me prend toute ma vie en fait. Et surprise, je filme dans la salle de maquillage, donc de ma boutique, parce que je me suis dit que c'était le lieu en fait approprié pour faire mes vidéos. Donc du coup, voilà, je me suis installée ici. Si vous voulez que je vous fasse un petit tour, vous me le dites, je vous ferai une petite vidéo. Je pense que je vous ferai le petit tour de la boutique complètement. Voilà, si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et donc je ferai une vidéo là-dessus. Je reviens en fait avec mes achats, donc j'ai effectué les derniers, enfin les mois précédents. Pas acheté en quantité en fait d'un coup, j'ai acheté petit à petit, selon mes besoins surtout. C'est pour vous dire qu'il y a des choses que j'ai acheté pendant le Black Friday, donc du coup ça remonte au mois de novembre, et j'avais voilà beaucoup de choses à vous montrer, et je me suis dit bah tiens, je vais réunir le tout pour vous faire un haul complet de make-up. Donc sans plus tarder, bah on va commencer hein, tout simplement. Alors je vais pas faire dans l'ordre de mes achats parce que sincèrement je m'en souviens absolument plus de ce que j'ai acheté en premier. Sans plus tarder, on va commencer. Alors je vais commencer avec NARS. Vous savez que c'est une de mes marques de maquillage préférées, mais vraiment. Après NARS, moi j'ai travaillé chez eux, j'ai eu un coup de cœur en travaillant chez eux. Ça a été vraiment, quand j'étais en école de make-up, ma révélation. C'est vrai que je n'achète pas tout le temps parce que je n'ai pas tout le temps de budget, malheureusement. Mais j'achète voilà des choses vraiment que je connais, des produits que j'adore. Je ne peux absolument pas me passer. Donc vous allez voir qu'il y a certains produits que j'ai rachetés, que j'avais avant, et voilà, je suis super contente de les retrouver. Donc il me semble que j'avais eu moins 25% en janvier, un truc comme ça, chez Sephora. Donc du coup j'ai acheté 3 produits NARS. Et voilà, bah coup de cœur de malade. Encore une fois, donc j'ai repris mon Radiant Creamy Concealer. Donc je ne vous le présente plus, vous le connaissez. Moi je prends toujours la teinte Honey, qui est une teinte assez foncée, pour vraiment camoufler mes cernes. Et ensuite, pour donner vraiment le côté un peu plus lumineux, je vais rajouter parfois un anti-cerne, qu'est-ce que je raconte, un peu plus clair, et je vais les mélanger les deux. Mais voilà, pour moi ça reste le meilleur anti-cerne. Je vous en ai déjà parlé des centaines de fois. J'ai envie de l'avoir racheté et d'avoir pu voilà, avoir une réduction là-dessus, parce que c'est mon chouchou d'amour. Ensuite, donc toujours chez NARS, j'ai repris la poudre de soleil Laguna. Donc pareil, je ne vous la présente plus. Vous avez dû la voir énormément de fois sur d'autres chaînes et puis également sur la mienne. Moi, pour moi, cette poudre-là de soleil, ça a toujours été la meilleure. Même si j'ai eu d'autres coups de cœur dans d'autres marques, etc. Pour moi, c'est la teinte parfaite qui va pratiquement à toutes les couleurs de peau. C'est-à-dire que si on veut vraiment un côté contouring, etc., on peut jouer avec. Si on veut un côté allez, bonne mine, voilà. Et ben celle-ci, la couleur, la tenue, tout est parfait, on ne voit absolument pas qu'on a de la poudre, etc. Donc voilà, pour moi c'est THE poudre de soleil, vous le savez, et je suis super contente de pouvoir voilà, de me l'avoir rachetée, parce que elle me manquait énormément. Ensuite, donc toujours chez NARS, et ça c'est une grande nouveauté, j'ai acheté un fond de teint, donc il s'appelle All Day Luminous Weightless Foundation. La description sur le site me correspondait totalement, et franchement gros coup de cœur. J'ai pris le Santa Fe en médium 2. Donc ce qui est super cool sur ce fond de teint là, vous avez toutes les couleurs de peau et vous avez tous les sous-tons. J'ai pris un beige, vraiment beige, très neutre, parce que en ce moment j'ai testé plein de fonds de teint avec des sous-tons différents, et à chaque fois il y avait un truc qui n'allait pas, et là c'est vraiment la couleur de ma peau. Il est extrêmement liquide, donc en fait je fais que 2 pressions sur mon beauty blender, et franchement ça va... C'est juste fabuleux, le résultat est parfait. Là je le porte aujourd'hui, hein, ça fait depuis janvier que je le porte, donc je ne m'en lasse absolument pas. En plus, vu la quantité du flacon, c'est pas un truc que je vais racheter dans 2 mois, il va me faire maximum 6 mois. Il est très léger et en même temps il a une bonne couvrance. Alors vous savez, si vous me suivez, que moi j'ai des cicatrices d'acné, que je dois camoufler pour avoir un teint assez potable. Je camoufle comme il faut, sans trop exagérer.
exagéré, on voit pas un surplus de matière dessus, donc ça c'est super top. Après, si je veux vraiment cacher une imperfection, je vais rajouter du correcteur par dessus. Au niveau de la tenue, il tient toute la journée, je ne fais aucune retouche. Donc, si vous voulez partir sur un fond de teint de haut de gamme entre guillemets, partez sur celui-ci parce qu'il est vraiment top de chez top. Alors ensuite, récemment j'ai été chez Kiko. Alors j'y suis allée parce que j'avais réellement besoin cette fois-ci de certains produits. Donc sans grande surprise, j'ai repris mon mascara préféré. C'est le volume Attraction de chez Kiko. Je vous en ai déjà parlé, vous l'avez déjà vu dans des tutos make-up et tout ça. Donc c'est une brosse complètement normale. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je le porte au quotidien et je peux pas m'en lasser. Ensuite, chez Kiko, alors c'est la première fois que j'achète un eyeliner chez eux. Donc j'ai pris le Deep Black. C'est un eyeliner feutre. Vous savez que moi c'est ce que je préfère en tant qu'eyeliner. Et j'ai pris une grosse mine. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, j'avais reçu dans une Birchbox la même chose, un eyeliner grosse mine de la marque Aiko, qui tous les jours avec. Au début ça a été un peu difficile parce que je prenais toujours des mines pas les plus fines mais les moyennes. Et la grosse en fait m'a fait un petit peu flipper au début parce que je me suis dit je vais pas être du tout précise avec ça, ça va faire un énorme pâté et tout. Et en fait au final j'ai réussi à prendre le coup de main et c'est juste merveilleux. Donc je l'ai pas encore testé, je ne connais pas encore forcément sa tenue etc, mais comme mon Aiko va être bientôt terminé, je me suis dit je vais pas me retrouver sans mon eyeliner parce que moi je me maquille au quotidien comme ça, donc voilà, moi sans eyeliner je meurs. Ensuite j'ai pris chez Kiko pareil mon rouge à lèvres préféré, donc c'est la gamme ultra glossy, vous savez que j'adore cette gamme, c'est le 803, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et c'est un rouge à lèvres en fait que j'ai racheté tout simplement parce que j'ai terminé l'autre. Moi, genre le rouge à lèvres que je porte tout le temps, tout au long de l'année, il va avec tout. C'est un truc de malade. Même quand j'ai les yeux un peu plus chargés, si je me maquille pour un événement, je mets ça, ça passe. Franchement, il est juste génial. En plus, il a une action hydratante qui ne dessèche absolument pas les lèvres. Il tient super bien. Il a un petit côté brillant qui est très très joli. Parce que moi, je suis pas très fan des gloss, donc je fais attention à ça. Et en plus de ça, je ne suis absolument pas obligée de prendre un miroir pour pouvoir le remettre. Voilà, sans que ça dépasse ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a certaines couleurs où c'est un peu catastrophique de le faire à l'aveugle. Et celui-là, voilà, c'est comme un labello, limite, tac tac, hop. Et c'est nickel. Ensuite, alors j'ai pris deux trucs que je n'avais jamais pris chez eux. Donc déjà, il y a ce rouge à lèvres, donc en stylo. Vous savez que j'aime beaucoup beaucoup les rouges à lèvres en stylo parce que je trouve ça super pratique, très précis. Et en plus de ça, vous n'avez pas besoin de le tailler. Donc ça, c'est juste merveilleux. Donc j'ai pris le numéro 106, donc brillant à lèvres, de la gamme Creamy Lip Gloss. Donc voilà, il ressemble à ceci. Je l'ai testé, hein, bien évidemment, en magasin. Donc là, je vous ai fait un petit swatch. Ça ressemble en fait à un rouge fraise. Et assez transparent, en fait, si vous mettez qu'une couche. Et puis plus vous allez intensifier, plus la couleur bah voilà, va être intense, c'est le cas de le dire. Et je trouve qu'il est super, il brille un petit peu comme les ultra glossy. Et franchement c'est ce qu'il faut, il tient très très bien. Je l'ai porté qu'une seule fois parce que voilà, je... ça c'est mon chouchou d'amour, donc je peux pas m'en passer. Mais franchement, pour changer de temps en temps, pour mettre voilà une petite touche en plus de couleur, celui-ci est juste super. J'ai pris, donc ça c'est une nouvelle gamme il me semble, le Endless Love. Donc j'ai pris un crayon à lèvres tout simplement, donc le voici. Donc pareil, voilà, petite mine et vous n'avez pas à le tailler, donc ça juste génial. Et j'ai pris la teinte numéro 5. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse que j'adore qui a acheté 3 teintes de cela. Et en fait, elle, elle le met complètement sur ses lèvres. C'est vraiment pas... enfin, elle l'utilise pas comme un crayon à lèvres. Ne porte que ça. Et j'ai trouvé les 3 couleurs qu'elle a choisies, mais vraiment genre magnifiques. Malheureusement, les 3 couleurs n'étaient pas disponibles. Il y avait que celui-ci quand j'y suis allée.
Et j'ai adoré le rendu tout de suite quand je l'ai acheté, je l'ai testé. Alors par contre, il faut avoir un petit peu de patience parce qu'il faut bien dessiner le contour des lèvres parce qu'il n'est pas crémeux, il est assez sec. C'est pour ça qu'il tient énormément bien en fait tout au long de la journée. Je me souviens dans sa vidéo, elle disait qu'elle avait mangé avec et qu'au final, il y avait très très peu de matière qui était partie. Elle avait juste rajouté un petit coup de gloss ou un petit coup de labello pour réhydrater ses lèvres et c'était juste nickel. Et donc du coup moi je suis partie sur cette couleur là qui est encore une fois un bois de rose, voilà, juste magnifique. Donc si vous partez sur cet article là vous allez être 100% satisfaite de la tenue. Par contre soyez patiente, ne tournez pas trop la mine quand vous allez l'appliquer pour pas la briser, parce que on a tendance à plus appuyer quand le rouge à lèvres ou le crayon est un peu plus, enfin est moins hydratant que les autres. Ensuite on va partir dans du matériel, donc j'ai racheté deux petits pinceaux. Vous savez que j'adore la marque Zoeva au niveau des pinceaux, j'en ai plein. Ils vieillissent super bien, moi je les utilise surtout, alors j'en ai pour moi mais j'en ai aussi également pour mon métier. Je les lave donc très régulièrement, juste géniaux. Donc j'ai pris le numéro 104, voilà, qui a une forme un peu boule mais qui est pas non plus extrêmement large, je veux dire, sur le côté. Voilà, je vais y arriver. Il est super doux. Donc celui-ci, donc j'utilise comme pinceau pour blush. Et en fait, je viens tapoter comme ça en remontant vers ma tempe. Et c'est juste parfait parce que je peux doser comme il faut mon blush. Et enfin voilà, c'est juste super agréable de travailler avec ce genre de pinceau. Et j'ai pris également le numéro 126, donc qui est un peu plus large que l'autre. Et celui-ci, en fait, je mets ma poudre matifiante. Donc voilà, mes deux petites nouveautés. Et en plus de ça, donc quand vous recevez, enfin quand vous achetez un pinceau, vous avez la petite pochette, donc super pratique, qui va avec un zip. Voilà, donc ça c'est super pour transporter ces pinceaux, pour pas les abîmer, parce qu'on a tendance à les mettre comme ça dans la trousse et du coup les poils, voilà, en plus ça chope tout ce qu'il y a dans la trousse, s'il y a des paillettes, de la poudre, des machins, c'est pas super agréable de retrouver ces pinceaux à moitié dégueulasses, et ça ne les abîme pas surtout. Ah, j'avais oublié un autre truc de chez Kiko, c'est vrai que... Mais je l'ai pas acheté en fait en même temps... Ah bah j'ai oublié deux produits de chez Kiko en fait. Mais je les ai pas achetés en même temps donc que les autres que je viens de vous présenter. Alors, j'ai acheté une poudre matifiante, puisque je vous en parlais. C'est la Flawless Fusion, donc c'est la numéro 4, donc si ça se présente comme ceci. Voilà, j'ai pris en fait une poudre matifiante pour changer, qui est de la couleur de ma peau, parce qu'en général moi je prends toujours des poudres transparentes et là je me suis dit bah tiens que j'allais tester celle-ci. Elle est plutôt pas mal, par contre il faut avoir la main assez légère. C'est vrai que si vous en mettez un peu plus que d'habitude de la poudre matifiante, et ben du coup on va voir vraiment cette couleur là. Donc pour pas ressembler à un pot de peinture, ayez la main légère, sinon très bonne tenue, la couleur est vraiment très très bien par rapport à ma couleur de peau. Et j'ai pas besoin, voilà, encore une fois, de refaire des retouches, etc. Dernier truc donc de chez Kiko, alors je crois que c'est en édition limitée, mais il y a encore sur le site, c'est ce petit truc là. Donc le packaging est juste original, je trouve pas du tout pratique par contre pour le ranger dans sa trousse parce que du coup ça prend une place folle, mais c'est vrai que c'est assez original. Et donc c'est un illuminateur, voilà, il se présente comme ceci, vous avez un petit miroir. Et voilà, donc c'est un illuminateur dans les tons rosés et il est extrêmement pailleté. Donc moi au début je l'utilisais vraiment comme mon illuminateur normal. En fait au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de paillettes à l'intérieur et du coup je ressemblais un peu à un sapin de Noël. Franchement c'est juste magnifique, moi j'adore. Franchement c'est la couleur est super belle, j'espère que vous allez bien voir avec... le contre-jour qui est un peu chiant. Mais voilà, donc en fait, il faut le travailler au doigt. C'est mieux qu'au pinceau parce que du coup, ça accroche mieux sur la peau. Et y aller vraiment petite touche par petite touche. Et par contre, maintenant, je ne l'utilise en fait que pour les soirées, les événements, etc. Je le mets plus du tout en journée parce qu'en journée, au final, il est vraiment... on le voit trop en fait, ça fait pas ce côté glowy, illuminateur trop joli, etc, naturel.
pour la journée. On va terminer avec deux produits de chez Bar Mineral. Alors, vous savez que c'est une marque qui est à 100% naturelle, pas testée sur des animaux, sinon je ne vous présenterai pas. Et j'ai en fait acheté, j'ai craqué pour le fond de teint Bar Skin, donc fond de teint sérum pur éclat. Voilà, il se présente comme ceci. Avant qu'ils le sortent, il était très très attendu ce fond de teint-là, parce qu'ils avaient fait voilà, toute une pub de dingue autour de ce truc-là. Je me souviens que ma meilleure pote, Blandine, quand il était sorti direct, elle l'avait acheté parce qu'elle n'attendait que ça. Elle avait été ultra ravie du résultat, de la couleur. Moi, en fait, j'étais hésitante parce que c'était une marque en fait que je n'avais absolument pas testée. Et du coup, je me disais, un fond de teint à 40€, je veux pas me louper. Au final, là, quand j'ai eu encore une fois des réductions chez Sephora, je me suis dit, vas-y, j'étais en quête de fond de teint. J'ai pris la teinte numéro 7, c'est le naturel. Voilà, donc au niveau de la teinte, je suis très contente parce que ça se rapproche énormément de ma couleur de peau. C'est un tout petit peu foncé, mais c'est vraiment très léger. Vaut mieux voilà, plus le travailler qu'autre chose pour avoir un rendu assez naturel. Donc le couleur de peau, je suis contente. Par contre, il faut que je le teste sur plusieurs saisons. Il y a eu des journées où il faisait du soleil et du coup on se mettait en terrasse. Et je me souviens que j'avais tendance à briller, on voyait un peu mes pores, et en plus de ça, enfin, j'avais l'impression d'être toute grasse. Et c'était horrible la sensation, j'avais juste une hâte, c'était de me démaquiller. Donc, je ne sais pas si je vais l'aimer cet été, je ne sais pas du tout, je retesterai par journée, voilà, plus belle, plus chaude, etc. S'il est vraiment adapté pour moi, pour mon type de peau, parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça n'adhère pas. En fait, il est très facile à travailler, il est ultra, ultra liquide, par contre, donc vous avez besoin que d'une goutte. Soyez très light hein, avec ce fond de teint-là. Il est super facile donc à travailler, à fondre, etc. La couleur est bien. Moi, je sais qu'au début, les premières semaines, j'étais ultra satisfaite, et après, j'ai eu l'impression que ma peau s'était habituée à ce fond de teint, et du coup, ça avait plus du tout le même résultat qu'avant. Donc, je l'aime bien, mais j'ai un avis quand même mitigé. Avec Blandine, on a pratiquement le même type de peau, donc du coup, je sais pas. C'est peut-être aussi avoir la crème que j'utilisais avant qui n'allait pas avec ce fond de teint-là. Enfin voilà, vous savez que c'est un peu compliqué, il faut faire des tests avant de savoir. Très contente de l'avoir, il reste voilà, dans mon vanity. Il va falloir que je le reteste, peut-être que là, par exemple, si je le remets, peut-être que là ça va me convenir et que dans 3 semaines, bah, ma peau elle va dire bah non au final j'aime pas. Toujours chez Bar Mineral, alors là c'est un gros coup de cœur, c'est une poudre matifiante. Je vais vous montrer ça sans en mettre partout, voilà. Donc il y a deux teintes chez eux dans cette gamme là, il y en a une beige et il y en a une rosée. Donc moi j'ai pris la rosée parce que c'était la plus claire et dans tous les cas, cette poudre là ne se voit absolument pas. On dirait qu'elle est transparente quand vous la posez sur votre visage. Alors je suis super contente franchement de cette poudre parce que voilà, j'ai pas une seule fois à faire des retouches dans la journée. Elle est extrêmement fine donc du coup elle ne se devine pas, ça fait une peau en plus vraiment toute douce. Du coup j'utilise mon petit pinceau Zoeva pour pouvoir voilà, l'appliquer et franchement le combo est juste nickel. Si vous cherchez une poudre minérale, partez chez Bar Mineral parce que franchement leurs produits en termes de poudre sont super. J'ai pu tester d'autres trucs récemment. J'ai testé une poudre de soleil donc je vais vous en parler dans 2 secondes. Donc voilà, franchement super poudre. Si vous n'avez jamais testé les poudres minérales, moi c'était ma grande première, bah partez sur cette marque là parce que niveau qualité, tenue, couleur, c'est juste top de chez top. Et en plus vous savez que à l'intérieur il n'y a pas de merdasse qu'on peut retrouver dans d'autres poudres, donc voilà, ça c'est juste super. C'est une poudre de soleil de la marque Bar Mineral qui se présente comme ceci. J'ai pris la Height Dive, toutes les références seront en barre d'infos hein, surtout ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc oui je l'ai extrêmement bien utilisée en fait avant d'avoir la Laguna de chez NARS. Et voilà ce que ça rend. Donc j'ai plein de choses à dire en fait sur cette poudre parce que il y a des jours où je l'adore et en fait il y a des jours où je la déteste. Quand j'ai commencé à l'utiliser, je l'adorais parce que elle avait une très jolie couleur. Par contre, elle est super foncée et si vous en mettez trop, si vous vous loupez, même si vous estompez votre joue, je vous assure qu'en fait on n'arrive pas à enlever, il faut se démaquiller. Donc en fait, il faut être très précise.
quand vous mettez votre poudre, enfin en tout cas cette poudre de soleil là, parce que elle est vraiment vraiment intense. Une très jolie couleur, mais vraiment magnifique. Elle a un rendu très naturel si on a la main légère. Et donc du coup voilà, bon, maintenant j'utilise plus ma Laguna, mais vous voyez hein, je l'ai pratiquement terminée, ça a été un énorme coup de cœur. Par contre je trouve qu'elle se termine extrêmement vite, j'ai utilisé tous les jours pratiquement pendant 3 mois, donc voilà, au bout de 3 mois. Celle de chez Nars par exemple, ça va faire 2 mois que je l'ai, elle est même pas creusée, donc du coup je suis un peu mitigée juste à cause de la quantité de poudre. Je pense qu'en fait c'est plus au niveau de la qualité de la poudre. Je pense qu'en fait quand on en prend beaucoup, il y a énormément de surplus, donc du gâchis, et c'est pour ça qu'elle se termine très vite. Mais sinon au niveau de la tenue, rien à dire. Et c'est pareil, vous voyez que vous avez un teint hâlé, un petit peu légèrement structuré mais naturel. Elle est super facile à travailler, mais c'est au niveau des quantités où il faut être vachement rigoureuse. Les filles, ma vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que cet endroit vous plaît aussi. Donc n'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse le tour de la boutique, ça sera franchement avec plaisir. Comme ça vous savez quand je ne fais pas de vidéo où est-ce que je suis. Je vais vous mettre également en barre d'infos la page Facebook de ma boutique si vous voulez voir ce que je fais, les maquillages, puisqu'il y a aussi également le côté salon de beauté qui fait partie intégrante de la boutique. Et surtout le côté prêt-à-porter, où voilà, je m'éclate à faire des vitrines, des mannequins, etc., etc. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc voilà les filles, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je reviens donc très prochainement avec un autre haul de chez Caudalie. Et ensuite une routine de soins qui sera liée donc à Caudalie, bien évidemment. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très prochainement. Ciao les filles!